une solution définitivement pour régler ce phénomène. Merci. La solution définitive, c'est l'étude qui va le terminer. On ne peut pas déterminer une étude. Il y a un grand glissement de main qui a été provoqué par la construction, on va dire, un petit peu pas étudiée, mais je m'adresse à ça. Le terrain a été surchargé par tous ces immeubles. La pluviométrie de la montagne et le mauvais caractère du sol a fait ces glissements. Maintenant, la solution définitive, c'est l'étude de stabilité et de confortement. Quelles sont les solutions définitives? Quand on dégage ces solutions, c'est une réponse à votre question technique qui doit être faite par des études. C'est par rapport à ça qu'on va déterminer les solutions et on va partir vers les travaux et financer ces travaux. C'est ce qu'il est en train d'exposer, le monsieur. Il est en train de dire l'évaluation des opérations urgentes à mener, les travaux de démolition et les études. Il demande des fonds pour faire des études. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'études. C'est ce que je suis en train de lui répondre. Les fonds, on va les dégager pour la démolition et pour faire les études. On a la solution définitive. Donc on dégage les fonds pour faire des études. On a la solution définitive qu'on va préconiser au niveau de Ilham. Barakallahu fik.